And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une chasse au fruit scolaire. J'espère que vous m'écoutez bien parce que nous sommes là placés en route sur une rue où il y a plusieurs librairies. Finalement, on s'est arrêté dans l'une. On a voulu faire cette introduction à l'intérieur. Mais les bruits, ils ont mis la musique, il y a tellement de monde. Donc j'ai dit, je sors pour faire cette introduction. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie, une maman de deux filles. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. Mon aîné fait classe 5 et la toute petite fait les études, font la section en cours. Donc nous sommes là pour l'achat de leurs fournitures scolaires. Et nous allons aussi acheter les fournitures scolaires pour nos vacanciers. Ici à l'intérieur, il y a toutes les listes. Vous savez, quand vous avez les vacanciers, vous êtes obligé aussi de prendre les leurs. Donc, nous allons acheter les fournitures pour nos enfants d'abord et quelques cahiers et livres pour nos deux vacanciers. Je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. À l'intérieur, on va filmer, mais on ne va pas parler parce qu'il y a la musique, il y a les bruits. D'ailleurs, j'espère que maintenant, là, vous m'entendez. Donc, les amis, avant de continuer cette vidéo, je tiens à vous dire merci pour toutes vos réactions sur mes précédentes vidéos. Merci infiniment, les amis. Là, nous sommes sur la rue qui est entre le Carrefour Emia et Total Mélène. C'est une rue où il y a plusieurs librairies, surtout les librairies bilingues à Yaoundé. Si vous voulez chercher les librairies bilingues, dirigez-vous vers ici, vous allez avoir tous vos livres. Parce que les livres de la section en cours sont souvent rares et généralement sur cette rue-ci, vous avez plusieurs librairies où vous pouvez avoir la plupart de vos livres pour la rentrée scolaire. Donc les amis, comme on s'est dit, j'attends de vous de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager pour vous soutenir. On se retrouve dans la vidéo. Toutes mes excuses les amis pour cette introduction. Dans la précipitation, j'ai mal connecté mon micro et il n'enregistrait surtout pas. J'étais vraiment désolée au montage quand j'ai constaté que c'était une catastrophe. J'espère vraiment que vous m'avez écouté. J'espère que cette vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez la regarder jusqu'à la fin. La librairie dans laquelle nous sommes partis est une librairie complète. Elle a des gourdes, des gamelles, les chaussettes, les pochettes, bon, les trousses, voilà, la craie, les cahiers, les livres francophones et anglophones, les sacs de classe. Là-bas, vous pouvez tout acheter. Vous pouvez entrer là-bas et faire tous vos achats, même jusqu'aux sous-vêtements, non, les démembrés, les chaussures, même il y en a, les caleçons, il y en a. Les chaussettes, il y en a. Les sacs de goûter, les gamelles, il y en a. C'est une librairie quand même qui est vraiment complète en ce qui concerne les fournitures et accessoires pour l'école. Que ce soit le primaire, la maternelle ou le secondaire, il y en a là-bas. C'est mieux d'aller dans les endroits comme ça parce qu'on est sûr quand même d'avoir le maximum de ce dont on a besoin. Au lieu de passer son temps à marcher dans différents quartiers, pour chercher les librairies et compléter un livre. L'avantage aussi, c'est qu'à la fin, on peut vous faire une petite réduction sur le total de votre facture parce que vous aurez pris plein de choses. Là, je vous montre l'ancienne gamelle de Elsa. Elle l'a utilisée pendant un an et demi avant de casser. Et puis, j'ai acheté ce que j'avais acheté au China Mall. C'est un bol vraiment solide, vraiment super. N'hésitez pas, si vous le voyez, à le prendre. Même comme avec nos enfants, on n'est jamais trop sûr. On tape ça au sol 3, 4, 5 fois, ça va quand même se casser. Ça reste du plastique. Quand
Quand également j'ai vu ce réveil, cette horloge pour les aider à se réveiller le matin que je vais poser dans leur chambre, vous verrez tout ça dans la décoration et l'organisation de leur chambre pour la rentrée scolaire. Ça m'a vraiment intéressé et je cherchais un truc comme ça pour elle depuis. Sauf que je voyais toujours à 4500. Dans cette librairie, j'ai vu ce modèle-ci à 2500 et j'étais très contente. Je l'ai directement pris. Dans la librairie où nous sommes allés, à la rentrée scolaire, comme ça, ils ont plusieurs stagiaires. Quand on arrive, on leur donne les listes et ils se chargent eux-mêmes de regrouper dans les paniers. Sachant déjà qu'ils vont me regrouper les livres, les cahiers, les accessoires très coûteux, moi j'anticipe direct. Pendant qu'elle est en train de regrouper sa part là-bas, moi je trie ce qui n'est pas trop coûteux. Quand elle revient avec son panier, je change tout simplement. Ces gens-là souvent rassemblent les fournitures scolaires sans tenir compte des poches du parent. Les cahiers, ça varie de gamme en gamme. Il y a les plus chers, il y a les moins chers. Un cahier, le même nombre de pages, je ne sais pas si c'est la fabrication différente, peut avoir jusqu'à 500 francs d'écart en termes de prix. Donc chacun va donc prendre selon ses poches. Mais eux, ils ne comprennent pas trop ça. Ils vont aller ramasser les cahiers, même les plus chers. J'ai dû changer tellement de choses, j'ai dû remplacer. Et mon mari qui était derrière disait, enlève ceci, sinon on change, c'est trop cher. Non, mais ils exagèrent avec les prix. C'est quoi cette inflation et tout? Ouais, ça c'est vraiment la rentrée scolaire. C'est vraiment la rentrée scolaire. En plus encore chez nous, où nous avons eu la charge de nos deux vacanciers, et mon mari aussi qui a dû envoyer quelque chose pour sa nièce et son neveu. Donc ça n'a pas été du tout facile. La famille africaine, c'est ça, hein? À la rentrée, il faut faire des gestes un peu partout. Et si vous avez des vacanciers, alors, aïe, 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 il faut aussi préparer leur rentrée. Quand la jeune fille arrive avec les fournitures, n'hésitez pas les mamans à vérifier. N'hésitez pas à vérifier parce qu'elle peut mettre des choses en plus ou alors elle peut oublier. Donc vous vérifiez, vous regardez ce qu'elle a oublié, vous lui montrez pour qu'elle complète. L'année passée, j'ai acheté une boîte comme ça, ce n'est jamais revenu. J'avais trouvé que les autres parents avaient acheté des petits trucs comme ça. Donc j'achète aussi ce qui est petit. C'est bien. Nous avons donc fait 4 paniers pour les 4. Mais le panier qui nous a coûté le plus cher, c'est celui de Dana, ma fille aînée, parce que les anglophones avec les cahiers, c'est énorme. Elle a beaucoup de cahiers, beaucoup de livres. Vous allez voir à la fin le nombre. Enlève tout ce qui est cher, tu enlèves. Le crayon là, c'est combien? N'a pas mis le prix. Alors les amis, de retour de la librairie, je m'apprête à vous montrer ce qu'on a acheté pour nos 4 élèves, dont nos 2 filles et nos 2 vacanciers. Ça n'a pas été facile de filmer à l'intérieur parce qu'il y avait les bruits, il y avait la musique. À la rentrée comme ça, ils mettent la musique pour attirer et passer des slides publicitaires. Du coup, à l'intérieur, il y avait tellement de bruit, Mais on a filmé ce qu'on pouvait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de mettre les noms de chacune dans ce qui lui appartient. Pour les vacanciers, on va faire leur sac avec directement. Let's go now!
On a pris ceci pour Elsa. En réalité, ce n'est pas dans la liste des fournitures scolaires, mais c'est quelque chose pour s'entraîner à la maison. Je me présente une fois de plus pour les nouveaux parce que je sais que mon introduction était très difficile à écouter. Une horloge pour faciliter le réveil du matin. Je m'appelle Nathalie, je suis maman de deux filles. Mon aînée a 8 ans, la petite a 4 ans. L'aînée fait classe 5, la petite fait nursery 2, dans la grande section. Les deux sont à la section anglophone. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous le quotidien d'une maman, en particulier le quotidien de la maman africaine que je suis, avec toutes nos réalités africaines. Sur ma chaîne, vous allez voir les vidéos de motivation, ménage, astuces, organisation, rangement, vie de maman. Comme l'actualité, c'est la rentrée scolaire et que tous les parents sont concernés, même les tontons et les tatas sont concernés par la rentrée scolaire. Bref. Je partage donc avec vous toutes les actualités qui concernent les enfants, qui concernent ma vie de maman. Et certainement prochainement, on abordera le sujet de la vie de femme aussi. N'hésitez pas les amis à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à partager autour de vous pour me soutenir. Parce que je suis convaincue que si ça vous a plu, ça peut aussi plaire à côté de vous. N'hésitez pas s'il vous plaît à partager dans vos groupes, partager massivement la vidéo pour que la communauté s'agrandisse et pour qu'un max de mamans puisse révéler le meilleur d'elles. Tous mes nouveaux abonnés, je vous vois arriver et je suis tellement contente. Je suis très heureuse. Soyez la bienvenue. Asseyez-vous, de bonnes choses arrivent. À mes anciens abonnés, vous savez déjà ce que je pense de vous. Vous êtes des amours. Merci infiniment. Merci pour votre soutien depuis le début de cette aventure. Merci les amis. Que Dieu vous bénisse. Je souhaite une bonne rentrée à tout le monde, à tous vos enfants, à vos frères et à vos sœurs. Et je vous annonce déjà qu'après cette vidéo, on va se retrouver pour un retour de course en préparation des goûters pour l'école. Retour de course en préparation des lunchbox. Ici, ce sont les fournitures scolaires de ma nièce. Là, elle a 6 livres. Et combien de cahiers? 5, 6, 7, 8, 9 cahiers. Une règle, une gomme, un taille-crayon. Un bic bleu, un bic rouge et 4 crayons. Là, c'est pour Elsa, leur réveil. Et la colle, c'est pour anticiper quand Elsa va déchirer le cahier. Donc, je sais déjà qu'il y aura toujours ce genre de choses. Je préfère prévoir et anticiper. Maman, ne déchire pas beaucoup les cahiers cette année. Tu comprends, ma fille? Tu me réponds? Ah bon? Maman, bon, ici, c'est pour mon petit frère. C'est un collégien. Donc, le collégien, lui, il a 5 cahiers, 5 livres, une calculatrice scientifique, une boîte académique, 2 crayons, une règle, une gomme, un bic bleu, un bic rouge, un taille crayon. Bon, voici le lot qui nous a pris plus d'argent. C'est celui de Dana. Les cahiers, il y en a combien pour Dana? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cahiers. 25 cahiers, 10 livres. Normalement, c'est 19 livres, mais on n'a trouvé que 10 disponibles. Les 9 autres, on verra. Si c'est disponible, on achète. Sinon, elle fréquente comme ça. Là, elle a des crayons. Bic bleu, bic rouge, taille crayon, gomme, règle. Voici ceux de Elsa. Elsa, tu as combien de livres?
Ça, c'est la grande section. Donc, nous-y tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 livres, un petit cahier de dessin. Combien de cahiers? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cahiers pour l'enfant de la maternelle. Mon Dieu, c'est pas vrai. 11 cahiers pour l'enfant de la maternelle. Et un paquet de crayons. Le paquet de crayons, si ça reste directement à l'école. Donc le premier jour, la maîtresse va contrôler tout et se rassurer que l'enfant a tout. Ce qu'elle n'aura pas, elle va cocher et donner un délai pour venir avec. Donc ici, on a pris les couleurs parce que dès le début d'année, elles vont commencer le coloriage. On a pris les couleurs vraiment les plus basiques. Voici les crayons qui vont rester à l'école. On demande de prendre les crayons qui n'ont pas de gomme au bout. Et voici les crayons de la maison. Donc j'avais pris le paquet de crayons ici là pour les quatre. Donc Elsa a eu deux pour la maison. J'ai directement enlevé la gomme dessus. Elle a aussi une gomme et son taille crayon bleu haut. Voilà, elle a aussi un taille crayon. Donc voilà pour tout ce qu'on a acheté. Voilà, c'était plein dans ce carton. Donc voilà les quatre tas pour nos quatre élèves. Voilà pour ce que nous avons acheté avec quatre élèves. Vraiment, c'est très coûteux. Les prix ont augmenté dans tous les domaines. Tout ceci nous a coûté 106 000 francs CFA. 106 000 francs CFA pour 4 élèves. Et en plus, ce n'est même pas complet parce que chez Elsa, il y a des livres qu'on n'a pas trouvés. Chez Elure également, il y a des livres qu'on n'a pas trouvés. Heureusement, chez ma nièce qui va au Cousin-Mantel, on a trouvé tout pour elle, c'est complet. Chez mon petit frère qui est au lycée, expressément, on n'a pas acheté tous les livres parce que parfois, c'est pas très, très, très important. Mais on a acheté tous les cahiers. Donc tout ça nous a coûté 106 000 francs CFA. C'est vrai que ceci ne faisait pas partie de la liste des fournitures, dont le réveil, une gomme, un taille crayon en plus pour la maison, une gomme en plus pour la maison, la colle et ceci. Ceci pour l'apprentissage à la maison. Ça c'est pour Elsa. C'est un mini tableau déjà avec les lettres. Donc pour compter. Et derrière, il y a une ardoise pour écrire. Là, c'est pour le suivi à la maison. Ça ne faisait pas partie de la liste des cahiers exigés par l'école. Donc voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre les noms dessus. En attendant que leur tantine envoie les étiquettes et le reste de fournitures scolaires pour qu'on étiquette. Je n'ai pas voulu acheter les étiquettes parce que j'ai des étiquettes qui arrivent. Donc là, je vais commencer à mettre les noms dessus. Et généralement, pour la maternelle, donc pour Elsa, tout ça va à l'école. Ces étiquettes à elles seront utilisées peut-être pour l'année prochaine. Voilà pour tous les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai montré un endroit où vous pouvez avoir les livres pour les francophones et pour les anglophones. Surtout, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun partenariat. C'est juste pour vous aider parce que vous m'avez vraiment posé la question de savoir où est-ce que j'achète les fournitures scolaires de mes enfants. Parmi vous, il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver à Yaoundé. Et je sais que je fais cette vidéo très très tard parce qu'aussi on a acheté très 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 tard. Cette année, vraiment, on ne s'est pas pris très très à l'avance. Donc les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo pour me motiver. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!